personnel 5 en numérologie. Durant ce cycle, vous êtes au milieu du carrefour avec plusieurs voies qui s'ouvrent devant vous. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort car de grands changements vont arriver cette année. Vous serez amené à prendre des décisions inhabituelles et faire face à de nombreuses surprises. Il faut alors se fixer un plan bien précis pour ne pas vous perdre sur votre route. Cependant, restez ouvert aux changements car un plan n'est pas fixe et doit s'adapter à la tournure des événements. Année personnelle 5, signification en numérologie. L'année personnelle 5 est une année charnière. Elle divise le cycle de 9 ans en deux parties égales. Les 4 premières années qui sont passées et les 4 futures années qui sont encore à venir. Cette année est donc le moment de faire une rétrospection des succès et des échecs des années passées afin de mieux appréhender les années à venir. Le 5 est aussi le chiffre du hasard. Cette année la chance sera de votre côté. Les événements se combinent pour donner un heureux dénouement à vos projets. Vous serez sans cesse dans la recherche de l'accomplissement et de l'épanouissement, et vos succès vous poussent à prendre des risques toujours plus poussés. Vibration. L'année personnelle 5 en numérologie est l'année des changements et du renouveau. C'est une année avec une vibration assez mouvementée. Cette année sera propice pour prendre un nouveau tournant dans votre vie. Vous serez amené à avoir de nouveaux points de vue, à balayer vos anciennes croyances et à vous libérer des boulets qui vous ralentissent. L'année personnelle 5 est une année où vous ne risquez pas de vous engluer dans une routine ou une stabilité rassurante. Vous allez être bousculé et parfois même désorienté. Mais n'ayez pas peur de faire face aux changements car ils seront bénéfiques pour vous. Pour bien appréhender tous ces changements, vous devez faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, votre vivacité, votre soif d'indépendance et votre audace seront vos meilleurs amis. D'un autre côté, faites attention à votre trop grande impulsivité et à ne pas faire preuve de dispersion. Ayez toujours une profonde conscience de ce qui est réaliste dans ce que vous allez entreprendre. Les vibrations de ce cycle sont changeantes. Elles favorisent le changement et le renouveau, mais en même temps, elles peuvent être source de frénésie, d'impatience et d'actes irréfléchis. Changez vos habitudes, bousculez votre routine, allez vers de nouveaux horizons peut être source de nouvelles opportunités, mais aussi cela peut aussi être source de stress et d'instabilité. Il ne tient qu'à vous de trouver le bon dosage afin de profiter des avantages que les chiffres vous accordent en cette année personnelle 5. Année personnelle 5, relations sociales et amour. Vos relations avec les autres prendront une nouvelle tournure. Vous échangerez avec des personnes totalement différentes de vos amis habituels. Vous serez souvent sollicité et invité. Les sorties seront nombreuses. Si vous êtes en couple, l'année personnelle 5 ne sera pas de tout repos. Il va falloir s'accrocher, aussi bien pour vous que pour votre partenaire. Vos envies de sensations nouvelles et de révolutions ne seront pas toujours faciles à suivre pour votre partenaire. Vous aurez envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Votre stabilité et vos routines vous ennuient profondément. Vous voulez que ça bouge, que ça évolue. Vos désirs de changement peuvent créer une situation déroutante et stressante dans votre couple. Soyez patiente envers votre partenaire. Vous verrez bientôt vos échanges s'améliorer, et vous pourrez alors lui exprimer clairement ce que vous ressentez sans que cela ne devienne un sujet de dispute entre vous. Votre relation n'en sera que renforcée ensuite. En cette année personnelle 5, vous voulez passer un cap important dans votre histoire d'amour, lui donner une dimension nouvelle et pourquoi pas passer vers une autre étape. Vous avez envie de pimenter votre relation. Misez sur la séduction. Osez sortir de l'ordinaire et soyez entreprenante. N'hésitez pas à prendre les devants. Soyez sexy et provocante. Bref, allumez le feu ardent de votre couple. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas encore cette année que vous trouverez la stabilité. En année personnelle 5, vous allez plutôt bouger et vous amuser. Ce ne sont pas les aventures qui vont manquer. Faites cependant attention à votre fougue, aux excès et aux actes inconsidérés car vous aurez à en subir les conséquences ensuite. Le besoin profond de liberté est une des caractéristiques de ce cycle. Vous êtes partagé entre voir soif de liberté et d'indépendance et l'envie de construire votre petit cocon amoureux. Vous pourrez faire une rencontre inattendue durant cette période. Cette nouvelle rencontre sera totalement différente de toutes celles que vous avez connues auparavant. Vous aurez envie de changer, toutes vos croyances et vos préjugés seront remis en question. Année personnelle 5, travail et vie professionnelle. Durant ce cycle, vous serez à la recherche de changements dans votre vie professionnelle. Vous aurez envie de faire bouger les choses, et ce sera le moment de le faire. Vous pourrez changer votre façon de travailler, apprendre de nouvelles choses, trouver de nouvelles passions. Vous pourriez mettre à profit vos désirs de changement pour demander une nouvelle affectation à l'étranger ou un travail plus mobile. Vous pourrez recevoir des propositions intéressantes. Attention cependant car les vibrations en année personnelle 5 peuvent être tout autant positives que négatives.
De nouvelles opportunités s'ouvriront à vous, mais toutes ne seront pas bénéfiques. Ne fais pas preuve de précipitation. Il vaut mieux y penser à deux fois avant de prendre une décision pour avoir un résultat positif. Année personnelle 5, argent et réussite. Durant ce cycle, vous profiterez des expériences que vous avez eues les années précédentes pour améliorer votre situation financière. Vous serez apte à trouver des solutions si vous faites face à des difficultés financières héritées des années précédentes. La chance vous sourira et vous lui faites confiance. Vous prendrez des risques pour améliorer votre situation financière actuelle et ça marchera à condition de bien calculer les risques. Les opportunités d'une meilleure finance seront nombreuses, mais attention, votre impétuosité sera aggravée par les vibrations de l'année personnelle 5. Essayez de trouver un bon équilibre entre votre désir de tenter de nouvelles choses et les risques d'un acte irréfléchi car vous pourrez subir de lourdes pertes. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.